Bonsoir à vous, c'est Meiko Taru. Nous avons Catherine avec nous et nous devons nous rendre donc à Theta. Ouais, par là. Donc, devons nous rendre à Theta. L'objectif étant de lancer la arc dans l'espace. C'est chiant parce qu'avec ce dédoublement de couleurs, le truc, je sais pas s'il est ouvert ou s'il est fermé. Ouvert, ok. Oh, encore un truc dans lequel je vais pouvoir mettre ma main. Allez. Parce que c'est drôle. Il me bouffe. Voilà. Parce que c'est drôle. Pour l'instant, pas de robot. On est en sécurité. Shuttle station lambda. Je crois que c'est par là qu'il faut qu'on aille, non? Pas bon ça. En fait, il nous faut tout bêtement rejoindre les navettes. Ferme-toi, toi. Fou. C'était la panique. Oh putain. Je viens de comprendre, il est en train de péter la vitre. Il a dû nous voir passer, il a tenté de péter la vitre pour nous rejoindre. Et on a fait un tour complet. On a une carte en fait. Non, on a pas de carte. Donc, on a donc rien. Il nous faut nous rendre sur Terre, pas à Theta, qui n'est pas encore sur Terre pour l'instant. Mais dans un premier temps, il nous faut nous rendre à Theta. Je suppose qu'il nous faut ressortir du coup. S'il y a quoi ? Ok, ici on y a déjà mis le doigt. Bon, il va falloir prendre notre courage à deux mains et partir sous l'eau. Il me semble que c'est la suite des événements. Hop. Et c'est reparti. Bon. Les choses flottent. On va y aller tranquillement. Je vais juste aller voir parce que ça m'avait intrigué avant de... Ah bah, je crois que la suite, ça doit être par là. C'est pas compliqué. Et il y a un robot qui est là-bas. Gentil, méchant, gentil. What is it? Non, referme-toi. Ça veut pas se refermer, d'accord.
Qu'est-ce que le vaisseau de secours QI-4 Hey Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing bien running? Sûr, ouais. Hang on, I'll give it a try. Oh, sorry, it's dead. Merci. The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omnitool. There. Should help you get around. Great. Merci ma petite Catherine. Donc, ce truc est fichu, c'est triste. C'était le vaisseau de survie, c'était une capsule de survie. Bon, ferme-toi toi. Fermé. Bon, ça veut pas. C'est pas grave. C'était une capsule de survie qui venait d'un gros vaisseau, si j'ai bien compris. Mais ce truc est mort. Ami ou ennemi, ce truc qui vole là-haut. Ami ou ennemi? Déjà, ça veut pas ma poire. C'est une bonne nouvelle. Bonjour, monsieur. Bon, ça vient juste se coller à moi, se faire des frottis-frottas. C'est pas dangereux. Tant que ça alerte pas les ennemis, ça me va. Ok, il y a un gros câble ici. On va courir un peu. Je voulais passer au-dessus du câble. Merci. Courir un peu, mais esquiver un petit peu la route pour éviter les robots. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que ce soit une bonne idée. C'est quoi ce bordel? Je me casse. J'aime pas ça. Voilà. Ici on est en sécurité, tout va bien. Tout va très bien aller. On va rejoindre tranquillement Theta. Sans s'inquiéter, les robots ne peuvent rien contre nous. Mais question, si j'ai pas mon corps humain, j'ai pas de sang en moi. Qu'est-ce qu'ils veulent les robots sur ma gueule? Mon carburant? Le sang noir, c'est du carburant, bande de schnouf. Accès accordé. Parfait. C'est donc pour ça qu'ils veulent ma poire. Ils veulent me piquer mon carburant. Et c'est pour ça que l'autre, il disait qu'il avait pas assez de carburant, qu'il ne pouvait plus avancer. Ils ont besoin de carburant, mais ils en trouvent pas, et comme j'en ai en moi... Mais qu'ils se trouvent entre eux, merde! Faites pas chier! Foutez-moi la paix! Ok. Je sais pas du tout ce que je fous là, je sais pas du tout si c'est une bonne idée de s'y promener. Tout ce que je sais, c'est que c'est la seule route que j'ai trouvée. Par contre, ça me rassure pas du tout les trous dans le toit. Ok, on a traversé ce truc. C'était quoi? C'était un bateau? C'est une épave de bateau. Et donc j'ai compris quelques trucs de l'histoire en fait. Il y a une météorite, une comète, qui
qui est tombé sur Terre et qui a fait une grosse apocalypse. Par contre, ça, j'y comprends rien. Hein. Si vous essayez de me mettre en garde contre un danger, moi, le danger que je vois, c'est celui qui est là-bas. C'est pas des robots. Je pensais que c'était un danger, mais c'est pas des robots. En fait, ils aiment pas que je me colle aux parois, c'est bizarre. Mais c'est quoi ces trois lumières rouges, là? C'est flippant. J'ai associé le rouge aux ennemis. Donc, si j'ai trois lumières... Oh putain. Ré, il y a un barrage. Et je te parie qu'il y a un ennemi pas loin. Dans un truc pareil, il doit y avoir un ennemi qui arpente l'épave. Non. Oh la vache. Catherine, la petite voix dans la tête, est-ce que tu peux me dire où est-ce que c'est? Où est-ce qu'on est? Est-ce que je me dirige vers le bon endroit? Je sais pas, je vais abandonner un petit peu. Je vais continuer de suivre ici la route. Il n'y a pas de route en fait. Quoi ces gros trucs? On dirait des mille pattes. Des mille pattes aquatiques. Amusant. Mais guère ce que je cherche. Il faut genre une échelle ou... porte, une entrée, serait-ce cela? On a l'air d'être ici. Par contre, là, il y a des lumières rouges partout. Ici, il y a une porte qui mène sur un cul-de-sac. D'accord. Heureusement que je suis plus humain et que je suis une combinaison. Hein. Qu'est-ce qu'il y a par ici? La suite. Parce que par là, on ne peut plus avancer. C'est tout à fait cassé, ou alors c'est un escalier qui, de toute façon, ne devait mener à nulle part. Donc on va continuer par là. On va juste fermer la porte. Merci. Voilà. Parfait, on y va. Je peux pas ouvrir les casiers. Je suis curieux, moi. Je vois des casiers dans tous les jeux. Il faut que je les ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Je peux pas lancer les objets, c'est pas drôle. J'aime pas la flotte. Je peux les lancer, mais avec un petit peu d'élan. Quoi par ici? Emergency shuttle. Ah bah on sait plus ou moins vers où on doit aller.
J'aime pas cette ambiance rouge, je vous le dis tout de suite. Il y a un truc qui va pas là. D'accord, d'accord, j'ai compris. Ce sont donc nos nouveaux ennemis. C'est pas cool. Rappelez-vous, il faut pas que je les regarde. J'aime pas ça du tout, les garis. Je te parie ce que tu veux que je suis mort. Fuyons! La fuite, mes amis. C'est la meilleure des solutions. J'espère qu'on a réussi à l'esquiver. Il est plus derrière moi? Non, c'est bon. Oh putain, il est là. Ah! C'est ici que je dois aller. Capote. Pour tourner une roue, prenez-la et décrivez un cercle avec la souris. Oui, pour tourner une roue, merci de ne pas être suivi. Ceci te permettra de pouvoir tourner la roue en toute sécurité. Ah putain, il nous suit. Il est là. Je veux pas mourir. Je suis en toute sécurité. Je vais très bien. Surtout qu'en fait, je me suis déjà fait taper. Et tant que j'aurai cette vue, je crois que je suis mort en fait. Le moindre problème, c'est du one shot. Mais en fait, j'ai opté pour une solution un peu critique. Qui fut la solution de la fuite, ce qui n'était pas une bonne idée. Est-ce que je peux fermer la porte? Oui! Catherine, dis-moi que ça marche! You made it. This is much better. Let's see if we can't get this thing moving. Oui, dis-moi que tu peux, s'il te plaît, parce que là... Wait, what? Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there, like the ones we saw at Landa. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Ah, shit. We need to get out of here. I know. I'm going. Chouette! Something is stabilizing the ship. We need to let it know this is an emergency. Je te hais, Catherine. Je te hais. Bon. Et mes petits amis, je vous dis... C'est là-dessus qu'on va se laisser. Je suis pas rassuré du tout, c'est pas cool. Je te hais! Merde, je peux même pas lui balancer à la gueule. C'est pas grave. Donc, je vais vous laisser là.
on ira chercher, on ira dans la salle de moteur, enfin là où on doit aller pour déverrouiller cet engin la prochaine fois. Donc, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bisous.